t'assure, je n'attends rien de bon des ogres friqués, ni des vautours phagocytaires qui claquent leur bec crochu au crépuscule des lucarnes à vendre. Mais je n'irai pas pour autant m'intégrer au cortège des cuistres qui versent des larmes de sang et poussent des brames effrayants à l'idée qu'on va dénationaliser Jean-Claude Bourret. Dans les milieux artistiques ou intellectuels, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on se heurte à ces piliers vermoulus de la culture en peau qui, hier encore, eussent préféré crever plutôt que de regarder Guy Lux et qui, désormais, se tiennent prêts à prendre les armes pour que survive la médiocrité. Arrêtez vos jérémiades consternant faux culs qui ne vibraient qu'à Godard et n'exultaient qu'à Lacan. Vous le savez mieux que moi, camarades itronophobes, que la télévision, d'État ou pas, c'est déjà et ce fut toujours la victoire de la merde sur la beauté des choses. La télévision, d'État ou pas, c'est déjà, ce fut toujours, pour ceux qui n'aiment pas ça, l'obligation de subir à longueur d'antenne les embrassades poilues des cro-magnons footballistiques qu'on vit naguère s'éclater de rire certains soirs de Bruxelles sur le charnier de leurs supporters éventrés. La télé, d'État ou pas, c'est la loi scélérate des hit-parades et des top 50, c'est-à-dire la loi des requins froids et des débiles anglomaniaques et fossoyeurs de la chanson qui pense. C'est le droit à l'apothéose pour les ricacazarailles en perlusée gloussante, reconverties en dondons paramédicales et trempeuses de cul dans des bidets de verveine. La télévision, d'État ou pas, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Reiser ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner d'intelligence sont programmés à la minuit, que la majorité béate des assujettis sociaux puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un hébété trentenaire figé dans un sourire définitif de hernie ventrale et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. D'État ou pas, la télé, c'est comme la démocratie. C'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Dommage qu'on n'ait jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les chemises noires pour en venir à bout.